Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que votre année 2017 démarre mieux que la mienne. En effet, ma voiture est tombée en rade ce matin et j'ai un peu les nerfs. Bref, on s'en fout. Cette semaine, je vais vous présenter un manga intitulé Psyrania. Et j'en dirai pas plus maintenant. Allez, c'est parti! Sirène est un manga terminé en 16 volumes dont les tomes sont tous sortis en France. Et ça, messieurs, dames, c'est le premier bon point. Bon, sans parler de l'histoire ou des dessins. Alors, concernant l'histoire, nous allons suivre Agea Yoshina, lycéen, hein, forcément, qui va trouver une carte téléphonique. Et oui, ça a existé il y a un temps. Cette carte va l'amener dans un monde désertique pendant quelques temps. Agea va en revenir changée et va développer des capacités spéciales. Bien entendu, il ne sera pas tout seul, et comme dans tout bon manga, il va y avoir un méchant super puissant avec un plan diabolique qui va mettre en péril le monde entier. Alors pourquoi ce manga? On va commencer par le fait qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Fin convenable qui plus est. Elle pourrait être géniale et complètement différente, mais bon, c'est celle-là que l'auteur a choisi et elle est très bonne quand même. Ensuite, l'histoire est vraiment bien, avec des interrogations tout au long du scénario. Alors, évidemment, je reste vague pour ne pas vous gâcher le plaisir lors de la découverte de ce manga. Je finirai sur les dessins, qui sont pour moi très très bons, avec beaucoup de détails. Et les scènes d'action sont très très bien agencées. Alors, agencées, c'est peut-être pas le mot, mais vous m'avez compris quoi. Ils sont très dynamiques avec une bonne mise en scène qui vous laissera vraiment apprécier toute la puissance des personnages. Je m'arrête là quant à la description de ce manga et je vous laisse vraiment le découvrir par vous-même. Voilà, le dessin est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et que le manga vous plaira. Personnellement, j'aime beaucoup ce style de dessin, ce style d'histoire, mais j'en dis pas plus sinon ça risque de gâcher un peu pour vous. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!